Bonne journée tout le monde, Sébastien Saint-Pierre qui vous parle pour la quotidienne de la vie agricole. Bonne journée Yannick Patelli qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Sébastien. Comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Michel Saint-Pierre, Simon Bégin avec nous également à l'entour de la table ronde hein, dans cette nouvelle formule qu'on vous expliquait. Bonjour Sébastien. Bonjour, bonjour. Et bonjour Monsieur Legault. Bien sûr, Monsieur Benoît Legault, bonjour. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Ah, c'est bien, merci. Fantastique. Monsieur Legault, vous êtes notre premier invité dans cette nouvelle formule d'émission podcast et d'émission 100% radio. Anciennement, on était sur une émission télévisuelle, donc vraiment une nouvelle formule axée sur le podcast et côté radio. Donc, bienvenue à vous et merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Bonjour, Monsieur Legault. Effectivement, en fait, on est très heureux d'avoir les producteurs de grains qui s'expriment à la vie agricole, à LVA TV, avec l'Institut Jean Garon. On a eu souvent l'habitude de recevoir Christian Verbeek, votre président, au cours des deux dernières années, même, je dirais, des trois dernières années, puisqu'on disait justement hier dans une émission qu'on a commencé ces émissions quotidiennes en mars 2020 pendant la pandémie. Et à quelques reprises, je pense qu'on a eu l'occasion aussi de faire des émissions avec vous. Aujourd'hui, c'est vous qu'on reçoit. Peut-être pour se mettre dans le contexte, dans un premier temps, j'ai retracé un petit peu les PGQ. Vous aviez écrit en fait au gouvernement, caquiste en fait, le 6 mai dernier, dans une lettre où vous mettiez des mesures, vous demandiez certaines mesures de soutien à votre secteur. Vous demandiez d'accorder des sommes additionnelles dans les programmes en production durable. Vous demandiez d'améliorer les programmes de gestion des risques et de reconduire une initiative ministérielle en production végétale. Et il se trouve que tout récemment, au mois de janvier, vous disiez satisfait parce que le gouvernement vous a en partie entendu, puisque l'initiative ministérielle en productivité végétale a été annoncée par M. Lamontagne, ministre de l'Agriculture, et les sommes allouées sont autour, je pense, de 20 millions de dollars en 2024, qui devraient servir à l'efficacité de la main-d'œuvre et des travaux agricoles dans le secteur végétal. Pouvez-vous nous expliquer d'abord quel est l'esprit de ce programme? Et si effectivement ça correspond aux attentes que vous aviez? Bien, en fait, l'esprit du programme reste le même selon notre compréhension. Ça vise la productivité végétale, mais principalement, sinon strictement, sous l'angle de l'amélioration des performances au champ dans le but de réduire le besoin en main-d'œuvre, donc réduire le nombre d'heures pour réaliser les différentes opérations. Donc, l'esprit du programme nous semble un peu limité, mais évidemment, on est quand même heureux là, que le gouvernement prenne le temps d'investir, prenne le temps de mettre en place des programmes pour investir, pour permettre aux producteurs d'investir dans des choses structurantes, mais évidemment, l'esprit qui est pour nous un peu étroit, soit celui de la main-d'œuvre ou de sauver du temps de travail, c'est sûr que ça permet pas nécessairement de répondre à l'ensemble des besoins d'amélioration de performance des fermes en production de grains au Québec. Mais on reçoit bien, on accueille bien ce 20 millions-là qui sera versé sur 2 ans. C'est pour nous... Je ne sais pas comment le ministère le voit, mais pour nous, c'est le troisième volet de cette initiative ministérielle. On aimerait ça que, les montants soient plus importants et qu'il y ait un engagement à plus long terme dans la mise en œuvre de tels programmes, mais ça reste quand même des programmes ponctuels sans vraiment avoir une idée de leur continuité dans le temps. Donc, si je comprends bien, c'est un peu pour ça que dans le communiqué que les producteurs de grains du Québec ont sorti, vous remerciez en fait le gouvernement pour les 20 millions de dollars pour 2024, mais vous avez une phrase où vous dites « c'est juste un pas dans la bonne direction ». Donc, ce que je comprends, c'est que vous attendez à beaucoup plus. Oui, bien effectivement, le défi, puis ça restera que la production agricole, particulièrement la production de grains, est quand même très subventionnée à travers le monde. Le succès des entreprises agricoles repose aussi beaucoup au-delà de leur propre performance là, sur leur ferme. Ça repose beaucoup aussi sur un soutien adéquat des fermes québécoises en production de grains. Nous, ça tourne beaucoup autour de l'idée de donner les moyens de maintenir notre compétitivité. Vous savez fort pertinemment que dans le secteur des grains,
C'est un secteur qui reste dans un environnement ouvert, commercialement parlant, donc les grains peuvent entrer au Québec comme ils veulent. Et évidemment, bon, il y a un enjeu aussi d'être compétitif sur nos marchés d'exportation. Notre principal concurrent, les États-Unis, bon, on sait que le gouvernement investit quand même beaucoup dans le soutien de la production de grains. Récemment, puis ça se fait sous toutes sortes de formes. La forme la plus originale qu'on vient de voir récemment, c'est dans le cadre d'une loi qui vise à réduire les effets de l'inflation. Ben, le gouvernement Biden avait quand même décidé de canaliser 20 milliards vers le secteur agricole pour améliorer ses performances agro-environnementales. On parle de sommes assez importantes, même très importantes. Bon, le 20 milliards, on ne sait pas si c'est un montant qui sera là pour 5 ans, est-ce qu'il va être renouvelé. Mais ce 20 milliards-là, si on, quand même bien on l'étale sur une période de 5 ans, ben, ça vient s'ajouter quand même un financement assez important au niveau agro-environnemental, qui est de l'ordre de 5 à 6 milliards par année aux États-Unis. Donc ça, ça vient complémenter. Et si on ramène ça sur une base annuelle, on vient presque... Ce 20 milliards-là, mais on vient presque de doubler là, les montants qui étaient disponibles pour les programmes agro-environnementaux. Donc, c'est assez important. Mais, M. Legault, je comprends la compétition avec les autres pays, mais est-ce que sur le terrain, parce que nous, quand on va un peu sur les fermes, dans les grandes cultures, la majorité des producteurs nous disent quand même que ce sont des bonnes... En tout cas, c'est une bonne année, 2022. Ça, est-ce qu'on peut s'entendre là-dessus ou pas vraiment? Ben, il faut faire une distinction entre le fait que ça aille bien dans un secteur... Et le fait d'avoir les outils pour pouvoir maintenir cette compétitivité dans le temps. C'est-à-dire, les meilleures marges qu'on peut éprouver, ben, les ont aussi aux États-Unis. Donc, les sommes supplémentaires qu'un pays peut donner par rapport à un autre, quand même bien, les deux côtés de la frontière vont bien, c'est quand même des sommes supplémentaires pour investir dans la capacité d'être encore plus performant. Et c'est là peut-être qu'il y a une différence entre le Québec et les États-Unis présentement. Alors, j'ai avec moi autour de la table Michel Saint-Pierre, coprésident de l'Institut Jean Garon, qui participe à toutes nos quotidiennes, et Simon Bégin, qui est le porte-parole de l'Institut Jean Garon, et vraiment Sébastien, qui est notre co-animateur également. On a tous un peu des questions, en fait, sur le monde des grains. Michel? Oui, la question que je me suis posée, c'est à la lecture même du programme. Il ne vient pas à l'esprit immédiatement que les productions de grains, céréales, grains, sont aussi visées que ça à la lecture du programme. Il me semble qu'on voit davantage ces mots-là appliqués au secteur maraîcher, à titre d'exemple, aux productions fruitières. Alors, je me dis, dans quelle mesure est-ce que les producteurs de grains peuvent mettre en place rapidement, parce que le temps court là-dedans, il y a très peu de temps pour soumettre des propositions, mettre de l'avant des projets qui pourraient avoir cet effet-là réel, cet impact-là. Vous avez raison de dire que c'est quand la situation est bonne qu'il faut investir pour s'améliorer, mais quelles sont les lacunes principales dans le secteur qui permettent de dire rapidement on peut enclencher on peut faire des propositions intéressantes? Bien, des projets, il y en aura. Savoir à quel point on pourra s'approprier la part qui revient au secteur. Les deux précédents volets, le secteur des grains représentait à peu près un peu moins que la moitié des sommes qui ont été versés à l'ensemble des secteurs qui sont en production végétale, plus l'apiculture là, qui est incluse. Alors, on espère bien, à tout le moins, aller chercher au moins la moitié de l'enveloppe qui est prévue. Je suis d'accord avec votre commentaire à l'effet que les premiers balbutiements de ce programme-là, en 2018, semblaient viser beaucoup le secteur maraîcher. Pour les enjeux de main-d'œuvre, on a élargi sa vocation pour différentes raisons. Mais comme je l'ai dit au début, lors de la première question, c'est sûr que de cibler l'amélioration des performances d'un point de vue de main-d'œuvre, ça devient un peu limitatif pour un secteur comme le secteur des grains, qui se spécialise, bon, en grande partie. Il y a quand même
le développement de cultures de niche, mais bon, une bonne partie du secteur, comme c'est le cas à travers le monde en production de grains, on est dans la production de commodités où on vise à produire au moindre coût, et moindre coût veut dire en utilisant le moins de main-d'œuvre possible, donc on est beaucoup dans l'équipement. Monsieur Legault, on parle d'équipement, on parle de moindre coût, parce que oui, l'enjeu de main-d'œuvre est là énormément, mais au niveau des équipements, on peut parler, exemple, de la ferme laitière qui rentre des robots, on parle, tout ce qui est la robotique, mais ça brise cette robotique-là, donc à quelque part, on a besoin d'avoir une certaine main-d'œuvre également pour venir réparer ça. On le sait que présentement, la main-d'œuvre est difficile à avoir. On aimerait qu'il y ait le moins d'entrants possible de l'international, parce qu'on fait quand même beaucoup de grains ici chez nous. Y a-t-il un truc pour attirer des gens de chez nous? Puis je veux pas dire que la main-d'œuvre internationale qui vient de chez nous, on a des gens du Guatemala, du Mexique et tout, qui viennent travailler sur les fermes, autant les fermes bovines d'animaux, les fermes laitières que les fermes maraîchères. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour venir chercher ces gens-là et les inciter à venir donner un coup de main sur les fermes pour pouvoir aider notre culture de grains ici au Québec? Oui, mais vous l'avez cité en exemple, là, l'entretien de la machinerie, mais bon, la manipulation de la machinerie aussi, quand même un enjeu particulier. On parle de postes qui sont peut-être plus spécialisés. Donc, ça ajoute là, au volet des capacités à trouver de la main-d'œuvre là, spécialisée. C'est tout un autre paire de manches là, dans le secteur des grains. C'est sûr que le secteur embauche là, de la main-d'œuvre étrangère temporaire, mais de la main-d'œuvre spécialisée, c'est probablement un grand défi. Pour l'instant, les fermes québécoises en production de grains, leur main-d'œuvre tourne beaucoup autour de la famille, je vous le cache pas. Ça reste encore aujourd'hui de petites fermes quand on se compare à l'Ouest canadien ou à certains États américains. Pour l'instant, je peux pas vous dire que c'est il y a une inquiétude, une préoccupation de la part des producteurs du secteur des grains, mais pour l'instant, c'est pas peut-être une manifestation aussi aiguë qu'on peut le voir au niveau de la production maraîchère, par exemple. Mais c'est sûr que il y aura sûrement un problème quand il viendra le temps d'aller trouver de la main-d'œuvre extérieure spécialisée. D'ailleurs, on essaie de développer des outils présentement, des formations pour intéresser les jeunes à ce que ça peut être de travailler sur une ferme en production de grains, d'opérer de la machinerie en production végétale. On essaie de développer des outils de la reconnaissance, mais c'est un défi qui va aller en augmentant. Et non seulement ça, oui, la formation, mais aussi bien dire également qu'il y a une formation en mécanique qui doit venir par-dessus ça, parce que si le tracteur, le véhicule brise, soit amené que la personne soit capable, en bon québécois, de se réparer quand il est dans le champ, parce qu'on ne se fera pas de cachette, c'est là que ça se passe aussi, et on s'entend qu'au Québec, on a 4 mois pour rentrer dans notre tas pour le grain là, également présentement. Monsieur Legault, restez là, on va s'arrêter quelques minutes, on va faire une petite pause, on revient, c'est très intéressant tout ce que vous dites, donc on revient dans quelques instants. La vie agricole, ce n'est plus seulement un journal et ses 100 000 lecteurs. Découvrez aussi nos plateformes web sur www.lvatv.ca et écoutez nos podcasts dans 13 radios FM à travers le Québec et l'Ontario francophone. Une portée de plus de 1,5 million d'auditeurs. La vie agricole, par son émission La quotidienne, se répand partout en région pour parler des vrais enjeux du Québec. Chez Bellil, on met en valeur les ressources de la ferme pour soigner les animaux d'élevage. On appelle cela l'autonomie alimentaire à la ferme. Nourrir l'autosuffisance. Voilà comment nos conseillers vous aident chaque jour. Bellil Solutions Nutrition. On nourrit ce que vous mangez.
L'encanteur René Houde peut vous aider grandement à obtenir le juste prix, que ce soit pour un troupeau de vaches laitières et ou pour la marchandise de ferme à vendre. Le travail d'une vie vaut la peine d'être confié à une équipe de professionnels. L'encanteur René Houde et son équipe de professionnels pour obtenir le bon prix dans un encan. Visitez encanhoude.com. De retour à la quotidienne de la vie agricole, Sébastien Saint-Pierre avec vous, également Yannick Patelli, Michel Saint-Pierre, Simon Bégin et notre invité aujourd'hui, M. Benoît Legault, des producteurs de grains. Juste avant la pause, on parlait de la main-d'œuvre, on parlait également des entrants. Simon Bégin a une question pour vous, M. Legault. Oui, bonjour M. Legault. Écoutez, vous avez soulevé à travers le programme, le nouveau programme, des enjeux de productivité et de compétitivité. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que des programmes, des outils comme celui-là peuvent contribuer à changer le paysage céréalier du Québec? Je m'explique. On sait qu'au Québec, le monde céréalier est dominé par le duo maïs-soya. Est-ce que, à travers des programmes comme celui-là, il y a des possibilités que ça évolue? Nous, à l'Institut, on prône beaucoup une diversification des modèles agricoles au Québec. Alors, on peut penser aux légumineuses, on peut penser au blé pour alimentation humaine. Est-ce que, à travers ce programme-là, on vise simplement à avoir plus de la même chose ou il peut y avoir une diversification? Bien, en fait, tout ce qui est investissement structurant peut nécessairement amener le producteur à diversifier ses cultures, dépendamment de ce que est son plan d'affaires pour sa ferme. C'est sûr qu'on n'a pas un game changer ici avec un montant comme celui-là là, pour dire qu'il y a de nombreuses fermes qui font en sorte qu'on pourra dire qu'il y a une majorité de fermes en production de grains qui va prendre un virage avec 20 millions de dollars sur 2 ans en productivité végétale. On peut pas parler de programme assez important pour dire que ça peut générer ce type de changement-là. Encore faut-il être convaincu que c'est seulement ça qui est l'enjeu du changement dont vous parlez. Et c'est-à-dire qu'en même temps, on tient à ce que les producteurs suivent certains signaux du marché. On aimerait qu'ils se diversifient davantage pour que leurs fermes soient plus résilientes face au changement climatique. Mais quand vous parlez d'améliorer la santé des sols, mais en même temps, il reste qu'il y a un environnement de marché puis de produits qui sont demandés qui fait que le producteur prend une décision sur des bases économiques là, en fonction des risques économiques aussi. Là. Mais quand on parle de diversifier là, et tout, il y a quand même un certain pourcentage d'agriculteurs qui font pousser leur maïs, leur soya vraiment pour leur troupeau à eux. J'ai Michel Saint-Pierre également qui a une question pour vous. Ben dans le même ordre d'idée, la question que je me suis posée, si on regarde un peu dans l'histoire, le modèle actuel a été véritablement développé à partir de programmes qui ont incité ça. La SRA a été directement liée. Je pense qu'on ne peut pas nier le fait que toute cette conversion vers maïs, soya ultérieurement, découlait directement d'un programme. Est-ce que la diversification pourrait se faire si on mettait en place d'autres moyens plus incitatifs qui permettraient justement d'élargir les choix, de faire en sorte que les choix économiques se fassent, sur la même sur le même niveau que c'est le cas pour les productions qui ont été à l'origine, entendons-nous. Je comprends que la SRA ne joue plus dans production de maïs et de soya, mais à l'origine, c'était quand même déterminant. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'un programme viendrait permettre ce passage graduel vers une plus grande diversification, c'est-à-dire, et permettre également d'aller vers ce qui est une tendance quand même dans nos sociétés, celle des légumineuses, là, qui va occuper de plus en plus de place là, dans notre assiette alimentaire. Là.
Dans un premier temps, je vous dirais, bon, on s'entendrait peut-être pas sur les raisons pour lesquelles on fait du maïs au Québec, là. Personnellement, je ne mettrais pas seulement ça sur le dos d'un programme de stabilisation qui, à mes yeux, visait à développer la production de grains, qui s'est fait plus de maïs que les autres grains, vient en grande partie du besoin de répondre à une demande et à une situation de prix de marché là, qui existait à l'époque. Bon, on est aujourd'hui, l'ASRA n'existe plus, le maïs reste une culture prédominante. Le soya s'est ajouté au début des années 90 pour remplacer le blé principalement. Dans une rotation maïs, soya, blé. Bon, dans certaines régions, le blé occupe une petite place dans la rotation, principalement en fin de cycle de rotation. Dans d'autres, on est rendu pas mal proche d'une rotation un tiers, un tiers, un tiers. Est-ce que des programmes pourraient changer ça? Mais en même temps, le souhaitons-nous? Dans le sens que ça vient un peu délicat, comme je disais plus tôt, il y a quand même l'enjeu de répondre à une demande, puis on peut pas se cacher derrière le... Il faut quand même reconnaître le fait que on répond à des signaux mondiaux, ça reste que la mais demande... En parlant, M. Legault, justement, de signaux mondiaux, moi j'aimerais juste rappeler qu'en novembre dernier, vous avez aussi sorti un communiqué, pas seul d'ailleurs, avec d'autres groupes agricoles de l'Ontario et du Canada Atlantique, et vous demandiez au gouvernement fédéral de vous entendre et de vous demander des remboursements, en fait, concernant les frais, les coûts supplémentaires qui sont causés par l'impôt, en fait, l'imposition de 2022 sur tous les tarifs douaniers des intrants, des engrais qui venaient de Russie. Ça fait partie, j'imagine, de vos plus et de vos moins sur vos exploitations. À ce niveau-là, vous en êtes tout par rapport à ça? Ben, pour ce qui est du tarif douanier, bon, il y a l'enjeu du tarif lui-même qui s'est appliqué en 2022, là, pour lequel on demande encore au gouvernement fédéral de dédommager les producteurs pour les coûts supplémentaires que ça a pu imposer. Plus largement, sur l'approvisionnement en engrais au Québec, c'est sûr que ça nous plaisait pas tant que ça non plus, ces représailles, compte tenu que nos compétiteurs ne se sont pas imposés cette discipline-là d'appliquer un tarif sur l'importation d'engrais. Les États-Unis ont importé énormément d'engrais russes là, au cours des derniers mois. Alors, pour le tarif 2022, on est toujours à y travailler. La porte est close pour le retrait du tarif et même la possibilité de voir des bateaux russes arriver avec de l'engrais dans les eaux canadiennes. Donc, de ce côté, ben, y a un défi. Pour nous, c'est difficile de savoir si l'approvisionnement alternatif dans les pays du Moyen-Orient ou d'Afrique du Nord ou, bon, je ne dirais pas d'Europe parce qu'eux aussi trouvent des problèmes, si on réussit à s'approvisionner d'une façon aussi efficace et au moindre coût comme ça pouvait l'être à l'époque avec la Russie et la Biélorussie. C'est peut-être l'élément qu'on manque. Je dirais qu'il y a un grand enjeu à ce niveau-là. C'est difficile d'avoir une bonne compréhension des enjeux de prix des intrants puis des engrais au Québec. Là, c'est une information qui ne circule pas beaucoup. Mais est-ce qu'on peut quand même dire que les intrants, le coût des intrants a explosé, mais le coût, au bout de la chaîne, le coût du prix à la tonne a explosé aussi? Oui, ils sont pas nécessairement liés. Le prix, vous me parlez de la tonne de grains, là. Mm-hmm. Le prix du grain a augmenté et atteint des niveaux assez intéressants suite à une dynamique de marché d'offres et de demandes de grains. En bout de ligne, bon, l'enjeu des intrants, c'est un autre enjeu. Il n'y a pas nécessairement un lien de cause à effet là, entre le coût de production et le prix du marché. On a déjà connu des périodes où le coût de production était beaucoup plus élevé que le prix du marché, et ça même d'un point de vue mondial. Non, pour le coût de production, c'est sûr que c'est un défi. Vous faites référence au fait que les prix des grains sont quand même améliorés. On est prêt à reconnaître que les marges sont quand même plus élevées que ce qu'on a connu dans une période plus difficile là, dans les années de 2010. C'est pour ça que nos sorties publiques et nos discussions avec le gouvernement tournent beaucoup plus
Je serais peut-être une exception pour les régions, là, où on peut parler encore d'un enjeu d'avoir des marges suffisantes là, pour intéresser la production de grains. Il y a peut-être quelques enjeux en région, mais dans la production plus centrale, le défi reste de s'assurer qu'on maintienne notre compétitivité. Comme je le disais, ça passe par l'amélioration de la performance sur les fermes, la recherche, mais ça passe aussi par un soutien bien positionné au niveau de programmes d'investissement. Mais présentement, au niveau des prix, M. Legault, moi, je peux vous confirmer que pour le maïs, prenons comme exemple le maïs, plusieurs meuneries suggèrent aux clients d'acheter en petite quantité parce que les prix sont trop chers présentement. Je le sais qu'à l'automne, ils attendaient d'avoir la dernière récolte pour être sûr et certain de fixer un prix final. Si on parle vraiment de récolte du Québec ici, mais qu'est-ce qui explique que les prix ont explosé en 2022-2020, ben, j'allais dire 2023, mais du moins en 2022, qui fait que les meuneries ont suggéré même aux clients d'attendre un petit peu et d'acheter en petite quantité? Il faut séparer les conditions mondiales. Les conditions mondiales sont principalement le moteur là, de la forte hausse. Là. Je vous dirais que le signal qu'on reçoit au niveau local, vous faites référence aux enjeux locaux de prix, mais ça, on le ressent parce que les primes locales qui s'appliquent aux grains présentement au Québec sont très, très faibles. Là. Nous, ce qu'on s'amuse à calculer, c'est... les coûts d'importation, les valeurs d'exportation. Et là, présentement, le prix du Québec se situe, là, je n'ai pas regardé récemment, mais est probablement encore aujourd'hui en bas des valeurs d'exportation. Donc, les prix qu'on a au Québec font en sorte qu'on peut exporter le grain. Et c'est probablement dû au phénomène que vous venez d'expliquer. Il y a peut-être un ralentissement de la demande. Ralentissement peut-être au niveau des élevages qui fait que la demande ralentit. Et peut-être donc, un changement de culture aussi dans certains champs, là, effectivement. J'ai, M. Legault, rapidement, il nous reste environ 2 minutes. Michel Saint-Pierre qui avait une petite dernière question pour vous avant qu'on se quitte. Oui, vous avez abordé la question des régions. Enfin, le mot a été mentionné. Je dois vous signaler d'abord que l'année 2023 a été, semble-t-il, désignée l'année des régions. Je ne sais pas par quelle instance. Ça m'amène quand même à poser une question. Vous avez déjà mentionné, ou j'ai lu quelque part, que les régions sont défavorisées en ce qui concerne la production de céréales, de grains hein, en général, parce que leurs structures de mise en marché sont inadéquates. C'est quand même un constat qui est extrêmement important si on veut occuper davantage notre espace et mieux valoriser notre territoire agricole, parce qu'on sait qu'il y a une partie importante du territoire agricole qui n'est pas vraiment exploité comme il le devrait. Les céréales se prêteraient à ça. Est-ce que ça signifie beaucoup de changements, beaucoup d'investissements pour qu'on puisse en arriver à avoir une structure de mise en marché qui réponde aux besoins des régions un peu plus éloignées? Oui, ben en même temps, c'est un problème, ou en tout cas, appelons ça un défi qui est assez complexe, là, parce qu'à prime abord, il n'y a pas tant de fermes spécialisées en grains dans les régions. Il y a des producteurs spécialisés, mais il y a une bonne partie de la production de grains qui se pratique sur des fermes mixtes. Est-ce qu'il pourrait en avoir plus, justement? C'est un peu le fond de la question. Bien, plus de production de grains. En même temps, bon, les fermes mixtes sont quand même des fermes qui ont besoin quand même d'un certain pourcentage de superficie en foin. Est-ce qu'il pourrait y avoir plus de superficie en grains qui déplacerait des superficies en foin? Bon, dans un premier temps, il faudrait voir si c'est ce qu'on veut. Est-ce que des superficies que l'on perd ou qu'on a perdues parce qu'elles sont plus cultivées, ça existe? Moi, c'est peut-être ce bout-là qui m'intéresse dans les régions, mais en même temps, il faut quand même dire que les fermes en production de grains un peu plus spécialisées, bon, il y a quand même des producteurs qui ont des animaux, qui ont quand même de bonnes superficies, donc on peut dire qu'ils ont quand même une ferme là qui a un niveau de spécialisation vers les grains qui est intéressant. Ça nous inquiète un peu parce que, dans le fond, les cultures de céréales à paille, le développement, la recherche qui se fait autour de ça, c'est quand même beaucoup plus limité. Le succès qu'il y a pu y avoir dans le maïs soya revient beaucoup
au fait que les grandes entreprises s'y intéressent et ont développé de la génétique et de la recherche en régie qui se fait probablement beaucoup moins dans le cas des céréales à paille. Monsieur Legault, je dois malheureusement vous couper, puis c'est intéressant, puis je pense qu'on aurait pu faire 45, 50, 55 minutes, voire une heure, puis je pense qu'on n'aura pas le choix de vous réinviter dans une autre émission, parce qu'effectivement, c'est des trucs de plus en plus intéressants et qu'on entend parler énormément tout ce qui est le grain présentement. Donc, Monsieur Legault, merci beaucoup d'avoir participé avec nous à cette quotidienne, je vous rappelle, Nouvelle Formule, avec Yannick Patelli, Michel Saint-Pierre, Simon Bégin et moi-même, Sébastien Saint-Pierre. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une excellente journée et on se reparle demain dans une prochaine quotidienne. Salut, bonne journée tout le monde.